Qui est parti chercher votre femme est mort. Est-ce que vous m'entendez ? On m'entend pas. Dès que j'atteignis l'âge de 9 ans, mon père m'emmena chez les Merkites pour choisir une épouse. Autrefois, il avait enlevé ma mère aux Merkites, et ces derniers ne l'avaient pas oublié. À présent, il aspirait à la paix. C'est pourquoi je devais choisir mon épouse chez les Merkites. Je ne pouvais pas dire non à mon père. Il y a mon ami Tei Sechen qui vit ici. Nous allons nous arrêter pour y passer la nuit. Sois le bienvenu, mon ami Ezugai. Quel plaisir de te voir. Alors, comment vas-tu ? Quelle joie. Bien. Et toi ? Comme il est grand. Oui. Allez, viens. Entre. Tu t'appelles comment ? Temujin. Mais c'est d'abord moi qui aurais dû te demander ton nom. Quel âge tu as, Temujin ? J'ai 9 ans. Ah, tu es plus jeune que moi alors. De beaucoup ? De toute une année. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je vais chez les Merkites choisir une épouse. Je vais rester ici qu'une nuit pour dormir. Les adultes choisissent pour nous ce qu'on doit épouser. Au revoir, Temujin. Attends! Toi, tu t'appelles comment? Bort Temujin. C'est moi que tu devrais choisir comme épouse.
Tu es vaillant. Quelle force. Il est brave. Allez, Tarkutaï, battons-nous. Ne me refuse pas ça. Je suis saoul. Alors tu me battras. Oh, non, non, non. Allez, ne fais pas la fille. Viens te battre. Tarkutaï, tu n'es pas seulement idiot. En plus, tu es faible. C'est pénible. Dans ce pays, les moustiques sont bien trop voraces. Je veux choisir mon épouse dans ce clan. Non. Ce sont des faibles. Chez les Merkites, tu trouveras mieux. Tu verras. Il y a des filles qui feront de très bonnes épouses ici. Oui, peut-être, mais il faut que je fasse la paix. Alors tu vas épouser une Merkite, je te l'ordonne. Je pourrais m'entraîner à bien choisir. Non, non, tu ne peux pas faire ça. Tu comprends, ce serait très offensant. S'ils sont faibles, alors ce n'est pas grave de les offenser. Écoute-moi attentivement. Il ne faut pas se tromper lorsqu'on choisit une épouse. Son visage doit être aussi plat que le lac salé. Elle doit avoir les yeux petits et rapprochés. Les mauvais esprits plongent dans les grands yeux. Et dans ce cas, la folie s'empare de la femme et elle commence à voir des choses qui n'existent pas. Alors surtout, choisis une fille qui a des petits yeux. Tu entends? Bon, passons au plus important. Les jambes de la fille. Tu dois te choisir une épouse avec des jambes robustes, parce qu'elle saura te satisfaire. Tu as tout compris? L'épouse que je prendrai. Je suis d'accord pour t'épouser. Ça y est, j'ai choisi. Je vais t'offrir un cadeau pour elle. Un manteau en zibeline. Ton fils est malin, il a fait un excellent choix, Ezugae. Oui, pour sûr, il nous a fait gagner beaucoup de temps. C'est une bonne chose de faite et nous allons pouvoir rentrer chez nous. Oui, tu as raison. Sache que pour mon clan, c'est un très grand honneur. Je suis très content. Nous pourrons les marier dans 5 ans. C'est le bréchet d'un corbeau blanc. Il faut faire un vœu en le frottant bien fort pour que le vœu se réalise. Je reviendrai te chercher dans 5 ans. Ah, quelle tête de mule! Tu ne m'as pas écouté et maintenant c'est trop tard. J'ai su qu'elle serait mon épouse au moment où je l'ai regardée. Ah oui? Et qu'est-ce que je vais dire aux Merkites, moi? Ma pauvre tête explose rien que d'y penser. Les Merkites ne pardonneront pas cette nouvelle offense. Puis, nous sommes repartis chez nous. Mon père ne desserrait pas les dents. Au bout d'un moment, il me dit : Tu as bien fait. Un homme doit se choisir son épouse. J'ignorais à cet instant que cette journée allait à tout jamais changer le cours de ma vie. Arrêtons-nous.
Lorsqu'il y a du tonnerre, ça signifie que le dieu Tengri est en colère. Tous les Mongols ont peur de la colère de Tengri. Ne t'inquiète pas, je suis là pour te protéger. Qu'est-ce que ça peut faire? On ne répand pas le sang dans les moments de repos. Allons nous asseoir. Mon maître t'offre ce bol de lait. Bien, je te remercie. Installe-toi. Pour ton maître. Merci. Tu peux y aller. Merci pour lui. Sugai, ne bois pas, attends. Laisse-le boire avant. Il nous regarde d'une drôle de manière. Tous ces hommes sont nos ennemis, oui, c'est vrai. Mais si le Khan Isugai enfreint les règles en premier, le monde entier en paiera les conséquences, car toute chose sera bouleversée. S'arrêter pour que tu puisses te reposer. Ce n'est pas à toi de décider, imbécile! Est mort empoisonné. Salut, petit fou rien. Allez, on s'en va. Laissons-les. Approche, mon fils. Je t'abandonne. C'est toi le nom. Il va falloir que tu sois fort. Implore le dieu Tengri, le dieu du grand ciel bleu. Thank you.
Khan est mort. C'est mon fils, le Khan, à présent. Et il vengera son père, tu verras. Tu veux que je tue ton fils? C'est ça que tu veux? Non. Cours, sauve-toi! Cours le plus vite que tu peux, Temujin! Dans le ciel! Zugai, il ne faut pas enfreindre les règles. Je le tuerai quand il sera grand. Vous n'êtes que des moins que rien. Cet hiver-là, je n'avais nul endroit où me cacher. Alors je partis vers la montagne sacrée pour implorer l'aide du dieu Tengri. J'étais tout seul. La montagne sacrée était très très loin. Alors je courus. Pour sauver ma vie. Je suis Jarmuka. Toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Temujin. Un Mongol vit sur son cheval. Mon ennemi Targudai a volé tous nos chevaux. Tu m'as sauvé la vie, Jarmuka. Veux-tu être mon frère?
Taisha, donne-moi un linge. Ça y est, nous sommes frères de sang. Tu verras. Quand je deviendrai Khan, tu seras mon second. Non, Jamuka. J'ai quelque chose à faire avant. Je dois retrouver mon ennemi et le tuer. Tu n'as même pas de cheval. Tu vas faire comment? Ma future femme a des jambes robustes. Et alors, qui est-ce qui se préoccupe des jambes? Mon père avait dit que c'était important, que le fait de prendre une épouse avec des jambes robustes, ça rendait un homme heureux. Pour l'instant, tu as plus besoin d'un cheval que d'une femme. Regardez un troupeau. On dirait le petit Imogen. Allons voir de plus près. Il faut que tu te sauves. Chou. C'est lui. Allez. Piétine, je te dis, tous les mêmes dans ce cas. Tu vas piétiner, oui? Allez, piétine! Vaut rien. Notre case. Ta routaille! Écoute, tu peux dire aux gens que je ne veux pas devenir Khan. Tu n'es qu'un chien. Les gens se moquent bien de ton pauvre sort. Alors pourquoi est-ce que tu veux toujours me tuer? Pour dormir sur mes deux oreilles. Dis-toi qu'un jour je te tuerai. Non, parce que je te tuerai avant. Vermine! Ta famille est à l'abri. Ne t'inquiète pas. Jamuka, s'il te plaît, fais quelque chose. Va trouver ma fiancée et demande-lui de m'attendre. Il ne grandit pas. Nourris le plus. Quand je reviendrai, je veux qu'il soit assez grand pour le tuer. Allez, venez. Tengri est en colère. Ah.
Tengri, maître du grand ciel bleu, je me prosterne devant toi. Libère-moi, je t'en supplie, ô Tengri. Il ne faut pas qu'il s'échappe. Le loup a beau aller loin, il finit toujours par revenir. Oui. Regarde-moi, je suis calme maintenant. Ton père était calme, mais était un idiot. Alors que moi, je suis extrêmement intelligent. Tu t'es proclamé calme. Mais tu n'es rien du tout. La merde reste de la merde. Espèce de sale chien. Je ne vais pas seulement te tuer, je vais te faire souffrir. Tu vois, c'est un embois. Je vais te clouer dessus et je vais le faire moi-même. Tu mettras au moins une semaine à mourir. Tu vas voir. Je te jure que si je ne meurs pas, je vous pardonnerai à tous. Tu ne pardonneras à personne. Ça, je le sais. Et vois-tu, je te comprends.
toi de l'eau. Hé, abruti. Quoi? Qu'est-ce que tu as osé dire? Je vais te montrer qui a la place de l'abruti entre nous deux. Je m'appelle Mujin. Moi, c'est Borsche. Je peux savoir pourquoi tu m'aides? Parce que je sais qui tu es. C'est pour moi un honneur de t'aider. Tu peux prendre mon cheval. Je ne l'oublierai jamais, Borsche. Tengri, dieu du grand ciel bleu, veilla sur moi et je survécus. J'étais prêt à affronter mes ennemis et à leur reprendre tout ce qui m'appartenait. Mais avant, je devais aller trouver ma promise, Borte. Nous avons tous cru que tu étais mort. Je suis bien vivant. Et je pense que tu sais pourquoi je suis là. Temujin, tu as choisi Borte il y a bien des années. Je ne suis pas sûr qu'avec tout ce temps qui a passé, elle veuille encore de toi. Avec lui. Le manteau en Sibline va le chercher. Borte et Temujin vont s'en aller. Tu n'as donc pas envie de me toucher, Temujin? J'aurais trop peur de te briser avec mes caresses. Regarde! Il te va bien. Tu me plais. Tu es robuste comme moi. Approche. Oh, tu es une bonne fille.
c'est ma dot. Merci. C'est trop. C'est beaucoup trop. Merci. Ça, c'est pour toi. Tiens. Tiens. Mon frère, quand vas-tu construire ta yourte ? Dès demain. Tu sais, Borte, je suis tellement contente que mon frère soit revenu auprès de nous et qu'il ait une aussi jolie femme. Je t'ai laissé m'attraper. Je ferai une bonne épouse. Je sais. Je l'ai toujours su. Tu n'as pas oublié ma voix. Il est vrai qu'une femme n'oublie jamais son premier époux. Allons, descendre de ton cheval. Je veux voir ton visage. Et pourquoi je t'obéirai et je te regarderai, vieille femme? Je veux l'épouse de ton fils, Temujin. Oh non, ça non. Laisse-nous tranquilles. Va-t'en, ils ne sont pas là. Va-t'en. Tais-toi. Arrête. Allez-vous-en. Allez-vous-en, Selvin! Ah, attention! Je veux rester près de toi, et ça toute ma vie. Je te le promets. Woo!
Que je te dise, quand le père de Temujin est venu chez nous et a enlevé ma promise, j'ai fait un serment. J'ai juré de me venger. Tu es à moi maintenant. Tu m'appartiens. Allez, en route! Comment te portes-tu, mon frère ? Ah ! Ça me fait plaisir de te voir, de voir que tu es vivant. Tiens, mon frère, accepte ce présent. J'ai appris que les Merkits avaient enlevé ton épouse. J'ai eu de la peine pour toi. Je te jure, j'ai ressenti une grande peine. Mon frère, j'aimerais bien qu'on parle. Viens avec moi. Nous, les Mongols, ne faisons pas la guerre pour une femme. Ça ne se fait pas. On va aller voir Taïcha. Il te présentera deux nouvelles femmes, tu verras. Je ne veux que Borte. Elle est ma seule épouse. Sacré Temujin. Est-ce que tu en as déjà essayé une ou deux autres? Tu crois qu'elle est la seule à avoir des jambes robustes? Je n'ai que très peu de temps. Temujin Taïcha. Taïcha. Les Merkits ont offensé mon frère. Tu as combien d'hommes avec toi ? J'ai la force de mon épée et une petite poignée d'hommes, c'est tout. Ça, ce n'est pas assez pour les battre. C'est pour ça que je suis venu demander ton aide. Je t'aiderai. Mais l'année prochaine. L'année prochaine, il sera trop tard. Dans un an, c'est à prendre ou à laisser. Attends avec moi.
personne qu'on va aller faire une guerre pour une histoire de femme. Voici le territoire Merkit. Qui va là ? Je savais que tu allais venir me chercher, Temuji. Porte, je ne peux pas vivre sans toi.
Merci, mon fils. Oui. Alors, mon frère, tu es content d'avoir récupéré ta femme? Très content. Je ne coucherai pas avec elle. Elle est dangereuse. Mon frère, tu es brave. Il est courageux. Très courageux. Je ne sais pas comment te remercier. Moi, je sais. Reste avec moi. Reste à mes côtés. Désolé, je ne peux pas. Je suis habitué à être mon propre maître. Tu ne connais pas les Mongols. Tout seul, tu n'arriveras pas à survivre. Allez, reste. Tu seras mon second, Temujin. Je te traiterai bien, tu verras. Allez. Tes hommes te réclament, Temujin. Je dois y aller. Oui, oui, oui. Il le faut. Allez-y, prenez tout ce que vous trouvez. Temujin, j'ai pris la plus belle épée que j'ai trouvée. Elle est pour toi. Jamukha s'est gardé le plus gros du butin. Dis-nous ce qu'on doit faire du reste. J'en garde un dixième pour moi. Divisez ce qui restera entre tous les valeureux guerriers. N'oubliez pas les familles des guerriers morts au combat. Oui. Garde cette épée, tu la mérites. Merci, Temujin. Écoutez tous, Temujin a décidé d'être très généreux avec nous. On partage le butin. Venez choisir ce qui vous intéresse. Jamukha, tu as vu ce qu'il vient de faire? Il a offert le butin à ses guerriers. La prochaine fois, il se gardera tout. En plus, il a emmené un enfant merki dans sa yourte. Ne dis pas de mal de mon frère. Qu'est-ce que tu racontes, enfin? C'est moi, ton frère. Ah, te voilà. Yeah.
Sache une chose. Sache qu'on ne cuit jamais deux têtes de bélier dans un seul chaudron. Temujin. Debout! Debout! Allez! Mon frère s'en est allé. Oh. Quelle tête de mule. Ah. Réveillez-vous. Allez, debout, fainéant. Daritai. Altan. Daritai. Daichar. Où est Daritai? Et où est Altan? Il devrait pourtant être juste à côté. Normalement, il devrait être à ma botte. Ils sont partis tous les deux avec Temujin. Quoi? Ils sont partis tôt ce matin avec Temujin. Frère, c'est étrange, tu ne m'as pas dit au revoir. Tu dormais, c'est pour ça. Je ne voulais surtout pas te réveiller. Ah. Des guerriers à moi sont à tes côtés. Comment ça se fait? Chez les Mongols, on a le droit de changer de maître selon son humeur, je crois. Daritai. Altan, vous m'avez abandonné. Je veux savoir pourquoi. Allez-y, dites-le. Temujin est généreux. Avec tous ses hommes. Rendez-nous nos chevaux, espèce de voleur. Tu m'as donné ce cheval. Alors il est à moi. Daritai, je suis la loi. Souviens-t'en. Je t'arracherai les entrailles. Essaie. Mes entrailles ont un nouveau maître. Hey! Désolé, je ne peux pas te rendre ces hommes. Un Mongol a le droit de choisir avec qui il va. Temujin, les hommes de Jarmuka voulaient voler les chevaux. On a tué un des hommes.
Je suis désolé. C'est bien, ça fera un voleur de moi. C'était le frère de Chamka. Taija. Qui a tué cet homme? C'est moi. Je ne l'ai pas reconnu. Je suis désolé. Vous avez voulu combattre pour sauver nos chevaux. Vous avez déclenché une guerre. Pardonne-moi, maître. J'ai une solution. Tu n'as qu'à offrir ma tête à Jamuka, c'est tout. Cet homme a sauvé tes chevaux. Si tu livres sa tête, que diront tes hommes de ton attitude ? J'ai appris le malheur qui te touche, Jamuka. Je vais t'aider à te venger. À nous deux, on l'aura. J'accrocherai sa tête. À la queue de mon cheval, tu verras. Fais-le. Mais je ne peux pas le faire sans toi. Il te fait peur ? Quel genre de canne es-tu donc? Eh oui, dans cette steppe, il n'y a que deux vrais chefs mongols. Moi et Temujin. Qu'en dis-tu? On viendra nombreux. J'ai beaucoup de guerriers. Temujin est pour moi! Est en train de suivre nos traces. Et on va être au moins à 10 contre 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne veux pas abandonner nos familles. Si nous arrivons à sauver nos vies, nous reviendrons pour nous en occuper. Nous n'avons pas vraiment le choix. Altan, Daritai, vous m'avez confié vos vies et celles de vos familles. Jamuka ne leur accordera aucune pitié, vous le savez. Êtes-vous prêts à les abandonner? C'est à toi de décider. Temujin! Tu dois nous laisser. Sauve ta vie, c'est essentiel. Fais ce que font les Mongols. C'est normal. C'est comme ça qu'on fait. Pas moi, je regrette. Caché dans les montagnes. Allez, venez! Attaquons, Jamuka. Qu'est-ce qu'on attend?
Rien ne presse. Temujin va s'enfuir, et après on n'arrivera pas à le retrouver. On dirait que tu ne connais pas bien mon frère. Vous êtes prêts? Tes hommes sont prêts, Temujin. Sar, va mettre nos familles à l'abri, vite! Oui. Venez, on va se cacher! Oui. Je ne veux pas te laisser. Nous voulons rester avec toi. Il faut que tu t'en ailles. Prends soin de toi et de notre enfant. Toi, fais en sorte de rester vivant. Pense à nous, Temujin. Malin. Il ne sera pas si facile à vaincre. Pied à terre, à l'attaque! À l'attaque! Pas de quartier! Ah!
tu m'as promis, Temujin. Je le veux vivant. Moi aussi. Tout m'appartient ici, Takutai. Même toi. Tu ne dis rien. Demande pitié. Ne me dis pas que tu as envie de mourir. Je ne suis pas un mendiant, mon frère. Alors je ne dirai pas ta pitié. Supplie-moi de t'épargner. Non, je ne peux pas. Je te le demande. Pardonne-moi, mon frère. Je ne suis pas ton frère. Je suis ton Khan. Et toi, mon esclave. Allez. Allez voir. Je n'en peux plus. Je veux rester là. Non,
très bonne affaire, mon ami. C'est trop cher, beaucoup trop cher. Tu devrais te laisser tenter. Ah, c'est notre bon roi. Arrête-toi. Si vous avez besoin d'esclaves, j'en ai plein. Ils coûtent combien? Celui-ci est un collier de pièces. Et celui-là, deux colliers de pièces. Quant à lui, il coûte 5 colliers de pièces. C'est trop cher, j'en offre 3. Non. Je ne peux pas baisser. Cet homme-là a tué un de mes meilleurs hommes. Il est fort. Ne l'achetez pas au mon roi, il n'apportera que le malheur. Quel malheur un esclave peut-il apporter? Nous avons des milliers d'esclaves. Oui, mais cet homme ne supportera pas cette humiliation. Que me chantes-tu, vieux moine? Cet homme est un esclave, et il mourra esclave. Je vois des hordes de cavaliers, mongols, chevauchant à travers vos terres en les dévastant. Je vois la mort, grand roi. Hé, Mongol, dis-moi, tu veux détruire mon royaume? Je sais ce que je vais faire de lui. On va acheter cet esclave. Si on vendait cet animal, hein? Personne n'en voudrait. Accepte de nous pardonner, s'il te plaît. Pour notre roi, les Mongols doivent mourir isolés dans une cage. C'est ce qui se fait. Eh bien, tu vois, je ne suis pas mort. Ton esprit est fort. Mongol, j'ai une requête. Le jour venu, quand l'heure de ta vengeance sonnera, ne détruis pas notre monastère, s'il te plaît. Alors tu tueras le garde, ce soir, et tu me donneras la clé pour que je puisse m'enfuir. Je n'ai pas le droit de tuer. Ma foi m'interdit ce geste. Ma foi à moi me le permet. Le monastère possède des livres sacrés, Mongol. Il faudra les épargner. Je ne sais pas lire. Va voir les marchands qui font commerce avec les clans mongols. Trouve le clan de Temujin et Tonsetos. Apporte. N'oublie pas ce nom. Porte, tu ne dois le donner qu'à elle. Je la trouverai.
dangereux ce que tu veux faire. En Mongolie, on se fait dépouiller. Il n'y a que l'anneau d'or qui est aussi aventuré. Lui aussi, c'est un voleur. Personne ne sait jamais quand il part et quand il revient. C'est un drôle de bougre. Personne ne pourra t'aider, vieux moine. S'en aille. Je connais leur rite d'incinération. Et toi, qu'est-ce que tu attends ? J'attends une caravane. Je suis la dernière qui passe par là. Je ne reviendrai pas avant longtemps. Tu acceptes de nous emmener? La route est longue. Et toi, tu n'as pas d'argent. Comment paieras-tu? Allons, marchand, tu le sais très bien. Thank you.
se prend. C'est pas assez. On avait conclu un marché. Mais il veut plus d'argent, le double, ou il me dénoncera. C'est tout ce que j'ai. Tu as l'air d'une femme riche pourtant. Attendez! Toi, viens voir. Ne t'avise pas de ne pas respecter tes engagements. La clé. Comment s'appelle cette petite fille ? Mangan. Maintenant, je suis ton père, Mangan. Où il est, mon autre papa ? Lui, oublie-le. Tu as un nouveau père. Allez vous coucher.
t'inquiète pas, c'est notre père. Ils sont bizarres, tes cheveux. Les hommes, ça porte des nattes, non? Je ne natte pas mes cheveux. C'est bon, mange. Merci. La vie des Mongols est magnifique. Elle est simple. J'espère qu'un jour, on pourra vivre tranquillement, que les Mongols régneront en maître sur leur terre, que l'on vivra notre vie sereinement. Mangeons. Mangeons. Juchi, quel âge as-tu maintenant? Je viens d'avoir 10 ans. L'heure est venue, mon garçon. Tu dois choisir une épouse. Comment je dois faire? N'aie aucune inquiétude. C'est difficile, mais je t'aiderai à trouver la femme qu'il te faut. Je te fais confiance. Je te dis qu'il ne fallait pas avoir peur. Je n'ai pas peur. Notre père est drôle. J'ai les noms des fils que tu me donneras. Ignores-tu ce que sont les Mongols? Je suis Mongol, alors les Mongols je connais. Ils sont devenus pires qu'avant. Ils tuent et ils pillent. Ils n'épargnent pas les enfants. Rassure-toi, je sais quoi faire avec les Mongols. Prends tes enfants et retourne chez toi. Quand reviendras-tu, Temujin? Dans un an? Peut-être deux?
Ô Tengri, dieu du grand ciel bleu, je suis ton serviteur. Je t'en supplie, donne-moi la force. Les Mongols ont besoin de loi. J'arriverai à les faire obéir. Même si pour cela, il me faut massacrer la moitié de ces hommes. Nos lois seront simples. Je vais les énoncer. Ne tue ni femme ni enfant. N'oublie pas tes dettes. Combat ton ennemi jusqu'à la mort. Ne trahis jamais ton khan. Cela fera de toi un bon Mongol. Ils ont compris que je voulais unir tous les Mongols afin de nous rendre plus forts. Cependant, Jamukar essaya de nous diviser. Voici l'heure de la bataille finale qui décidera qui de nous deux gouvernera la Mongolie. L'armée de Jamukha était plus imposante. Mais j'avais réfléchi à ma stratégie, et je savais comment le vaincre. Seulement, il fallait que Tengri, le dieu du grand ciel bleu, soit avec moi. Temujin a des archers qui visent sacrément bien. Attaquons-les, Jamukha. Mon frère est rusé comme un loup. Premier détachement.
attaque. Jetons notre canne à tes pieds. Il a essayé de s'enfuir, mais nous l'avons tué pour toi. Qui est-ce ? Ton ennemi Targutai. Tuez-les ! Mais pourquoi ? Tuez-les ! Altan ! Qu'ai-je fait de mal en le tuant ? Tu as enfreint la loi. Vous avez trahi votre khan. Vous devez mourir. On ne savait pas qu'on le trahissait ! Temujin ! Vieil homme, comment vas-tu ? Merci, grand khan. Je te remercie de te souvenir d'un pauvre bougre comme moi. Donne une centaine de chevaux à ce pauvre homme et installe-le dans ma yourte. Nous allons vous prendre dans l'armée. Temujin, on l'a rattrapé. Temujin, tu es khan et je suis à tes pieds. Es-tu enfin heureux ? Mon frère, je te pardonne pour ce que tu as fait. C'est trop tard. Je serai toujours un caillou dans ta botte. Que tu le veuilles ou non. Je voudrais savoir. L'orage et le tonnerre font peur aux Mongols. Tu ne les crains pas ? Étant enfant, je ne savais où m'abriter. Alors j'ai appris à ne plus avoir peur.
Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire de ton frère Temujin? Toi, dis-moi. Dis-moi, que ferais-tu? Parle. Je me tuerai, mon frère. Va-t'en. Laisse partir ton ennemi. Non, je laisse partir mon frère. Père ? Est-ce que nous allons bientôt partir pour choisir ma future épouse ? Oui, très bientôt. Tu as vu comme j'ai bien choisi Terre. Rappelle-toi, je t'ai choisi autant que tu m'as choisi. C'est vrai. Tu dois me comprendre, je dois terminer ce que j'ai commencé. Tu es une épouse exceptionnelle, Bort. Je reviens toujours, tu le sais bien. Vieil homme, dis-moi ce que tu vois dans mon avenir. N'aie pas peur de parler. Rien besoin de te dire. Tu sais très bien quel avenir t'attend, Grand Khan.
Tirons-nous tête de bourgeois, nos serres flammes, nos autres poitrines.